this dude King Julian style. Salutations les viewers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi pour se découvrir un petit jeu qui n'est autre que Little Big Adventure Twinsess Quest, petit remake qui sort ce mercredi 14 novembre 2024. Il est développé par 2.21 ou 2.21 et édité par Microids. Petite démo disponible jusqu'alors sur la page de Steam. Je ne sais pas si ce sera encore le cas lors de la sortie du jeu, mais vous aurez tous les liens en description. Petit jeu qui se joue en solo. Il est en français. La compatibilité manette est prise en charge. Il est en précommande en ce moment. Et il y a une petite promo, moins 10%. Il est à 26,99€ au lieu de 29,99€. Il y a aussi un autre pack à 35,99€ au lieu de 39,99€. Donc, petit jeu qu'on va se découvrir, que j'ai jamais eu l'occasion de faire lors de sa sortie initiale. Donc, entrer dans le monde merveilleux de Twinson, dans ce remake bourré d'action et d'aventure, initialement sorti en 1994. L'iconique Little Big Adventure, Twinsess Quest revient avec de nouveaux visuels, des nouvelles musiques du compositeur original et un gameplay repensé. Et bien, écoute, on va se lancer tout de suite dans le bain et découvrir cette petite démo. C'est parti! Ok, nous aussi, nous voilà sur l'écran d'accueil. Donc j'ai fait quelques petits paramétrages, j'espère que ça va le faire. On va faire nouvelle partie, découvrir tout cela dès maintenant. Allons-y. Donc, chers joueurs, vous êtes sur le point de découvrir une version des modes du jeu Little Big Adventure. Et toute l'équipe du Studio 1 vous remercie et espère qu'elle vous plaira. Le jeu sort dans plusieurs semaines. Voilà, il va sortir en fin de journée. Machin. Ok, c'est parti. Ok, appuyez 1 pour attaquer en direction du curseur. Si j'essayais d'attirer l'attention des gardes. Bon, je peux rien faire de plus. Détenu Twinsen, cessez de vous agiter. Ah, ok, bon bah j'ai réussi. Donc ouais, eux... Aïe. Vas-y, monte sur la plateforme. Alors, si je peux que me déplacer en mettant des coups, j'ai pas fini. J'aurais peut-être dû descendre avant parce qu'il y a d'autres garde-vous. Merci. Ok, je peux sauter. Bon, je peux rien faire avec ça là. Je peux pas sauter par-dessus la rambarde. La porte là, je peux en faire quelque chose. Je sais pas si je pourrais fracasser la trappe de ventilation et passer dedans, non. Rappel, seuls les clones peuvent utiliser les téléporteurs.
faut que je me fasse passer pour un clone, quoi. Sauf que je reprenne la plateforme. Ah ouais, parce que j'y récupère un engrenage. Je trouve ça... Je passe pour un clone. Je fais comment pour retourner à... Putain, merde. Vous auriez peut-être pu me dire ça avant. Bon, faut que j'arrive à sauter dessus pendant qu'elle est en train de... Ouais, je suis un clone. Déclenchez l'alarme. Ok. Vas-y, prends le rouage là. Prends la clé, s'il te plaît, tu seras bien aimable. Il y avait une interaction possible. Ouais, merci. Notice, comment téléporter un clone? Ok, bon bah je vais éviter de me repiquer parce que je suis en train de perdre de la vie. Et je suppose que les petits trèfles en dessous, c'est pour indiquer c'est pour effectuer une roulade. Vas-y, ta roulade, je vais la foutre ailleurs là. Bouton 5. Ok, j'ai déjà la touche affectée sur ma souris. Clone m'ont pris mes affaires. Ils doivent être quelque part ici. Je peux pas. Si, je peux lire la note là. Note. Toujours prendre les vêtements et la carte d'identité des prisonniers avant intégration dans la cellule. Ok. Un prisonnier s'évade! Déclenchez de l'alarme! Va falloir que je fasse gaffe parce qu'au bout d'un moment, je vais me faire avoir. Hein. Ok, par là, il n'y a plus rien. On va aller voir les armoires d'à côté. Ok. Alors franchement, pareil. Mon inventaire. Ouais, remplacer. Je vais mettre tab. Ce sera bien mieux. Le carnet que Luna m'a donné, j'ai intérêt à en prendre soin. Et là, l'holomap indique ma position sur la planète. Vas-y, passe derrière et va te changer. Ouvrir le journal. Ils sont obligés de sauter à chaque fois que j'appuie sur eux pour fouiller un machin là. Pour fouiller un placard là. Ok, donc là on a revêtu notre joli costume de garde. Marcher. Est-ce que je peux déclencher moi-même l'alarme? Non. Journal de bord. Certains habitants de Citadelle pensent que le centre de soins est un spa où l'on sirote des cocktails de carottes pour se soigner. Ils sont si naïfs. Il faut que je fasse ça aussi. Je ne peux pas laisser Luna seule. Je dois sortir d'ici. Ok, ils ont pris mes affaires. En me déguisant en infirmier. Ces derniers me prennent pour leurs collègues, mais attention, les autres peuvent me repérer. Plan d'arrestation. Les mages ont été faits prisonniers, mais un groupe d'agitateurs perturbe nos plans. Ok. Hop là, il y a un éléphant derrière là. Et je me suis fait engluer, je crois. Là, je viens de me manger une beigne. Je
sais pas si c'est de la marbonnée ou un bout de coton. Faut que j'en fasse bon usage. Si je fais tab, utiliser. Ouais, en gros, ça me rappelle mes machins là. Bon, écoutez, faut que je ressorte là. On va s'agiter. Plateforme là. Vous êtes des... Ouais. Putain, faut que je pense à cliquer dans le bon sens là. Je sais pas pourquoi je marche. Ouais, merci. Je crois que l'on n'avait plus rien. Donc, on va foncer par là. C'était tendu, hein. Ils doivent être quelque part ici. Ouais. Oh, mais... Ouais, merci. Vas-y, cours, cours, cours. Ouais, vas-y, vite, mène-toi. Bon, je vais éviter de retourner vers le cochon, enfin vers l'éléphant plutôt. On va quand même faire ça. Sans moi je suis sûr d'être tranquille. Bah, il y en a un autre près du bouton. Merde, j'ai pris sa place, t'as rien vu du tout. Septième génération de... Septième génération de clones. Ok, ça veut dire la même chose de ce côté aussi. Et on peut sortir là. On a la maison. J'espère que Luna va bien. Je fasse gaffe, il y a des gardes, des jeunes. Allez, prends la pièce. On va l'éviter. Ça, je peux rien en faire. Le rat. Bonjour, Clio. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour ça, je sais pas. Ouais, cache-toi dans les déchets pour éviter machin compagnie. Voilà, tout à attendre que le camion soit en place. Alors, par contre, faut que je fasse gaffe à l'éléphant. Je peux rien faire avec ça là. Vis pointe, donc on va faire gaffe. Je sais pas si c'est un travailleur ou un. Ça a l'air d'être un travailleur. Annonce numéro 767G. Nouveau téléporteur implanté. Longue vie et gloire au. Je vais rentrer ici. Salut. Bonjour. Impossible d'ouvrir ce coffre avec mon dos bloqué. Et si tu m'aides? Ouais, si tu m'aides quoi? Salut. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour. Ah, il veut pas dire la suite là.
Ok, utiliser, tu peux pas ouvrir direct. Je tourne les pages là ou. Non, journal d'aventure. Ok, tourner les pages, P. Ouais, bon, y a rien d'autre quoi. Il est où son coffre à la noix? Salut. Bonjour. Bon, il ne répète rien. J'ai pris tout ce que je pouvais là, mais bon, voilà. Bon, a priori, son coffre, il est peut-être pas là. Hein. Salut. Twinson, tu es sorti du centre de soi? Ouais. Je suis sorti de la prison. Twinson, tu n'es pas au centre de soi? Alors, par contre, il y a un garde en haut, on va faire gaffe. Bienvenue à Le. Ouais. Il y a quelqu'un qui a l'air de faire la tronche là-bas au bout. Vas-y, arrête de marcher court. Salut. Tu savais que mes sèche-cheveux se vendent plus du tout. Ok. Voilà, toutes les baraques ont l'air d'être condamnées. Toi, je t'ai pas parlé. Hé, hey, Erika. Bonjour. C'est tout. Ok. Non mais il déconne pas là. Il tape dans le bon sens. Saloperie. Là. Il a failli me buter. Je peux manger un petit légume là pour me soigner ou bien. Ok, là-bas il y a un gros garde pas gentil. Interdiction numéro 1024 GH. Le docteur Thumbcrock rappelle qu'il est formellement. Ouais. De jouer à la balle, je sais pas quoi. Bon, j'ai besoin de me faire soigner moi. Twinson, que fais-tu là? Je sais très bien que tu as été arrêté hier. Ouais. J'ai été libéré pour bonne conduite. Impossible! Personne ne sort de l'asile! Je veux dire, le centre de soins! Salut! Twinson? Putain, mais je fais comment là? Je suis coincé! Putain, enfoiré! Donne-moi de la vie là. Peut-être que ça fait bouger l'éléphant là-bas. Ouais, j'ai rien dit. Bon, lui, faut pas que je retourne le voir quoi. Les trucs là, je peux pas les emprunter sinon je vais me faire électrocuter. Ah merde! Je croyais que ça allait être un item que j'allais pouvoir ramasser, mais en fait, pas du tout. Et ma barre de vie, elle est coupée de l'écran là. Il y a eu un recadrage ou quoi, les gènes? Problème avec votre truc, il y a un éléphant qui vient de pop. Vas-y, je vais me percher sur le toit là, on va parler à l'éléphant. Putain, je crois qu'il se pointe par là l'autre. Bienvenue à. Ouais. Je me cache pas. Hein. Ouais, salut. Je te parle. Bonjour, Twinsen. J'espère que tu vas bien. Je peux pas t'aider. Je veux pas de problème avec toi. Ouais, les clones pourraient fermer mon établissement. Fait, les clones ont déjà confisqué la clé de ma cave. À tous les coups, ils vont finir par faire fermer ma taverne. Ok, faut qu'on arrive à récupérer la clé de sa cave, quoi. Ça fait plaisir de te revoir. Personne ne m'en sortir d'ailleurs. Ok. Donc là, pour le moment, je peux rien faire. Je peux pas interagir avec ça. Ouais, donc faut que je me méfie parce qu'il y en a qui vont me balancer, quoi. Ouais. En fait, il court rapidement, il m'a fait peur.
pas ce qui lui arrive, mais... Salut. Je sais pas s'il vient de se manger des coups en bas là. C'est tout. Attends, je peux pas couper. Salut. Et c'est quoi cette tenue, Twinsen? Tu es devenu infirmier? Ouais. Donc c'est pas le même qu'on a vu tout à l'heure dehors. Ok. Moi je peux rien faire de plus. Ah, ça promet rien de bon, l'hygiène. Je peux aller boire un coup dans l'eau ou pas? Là, je vais mourir. Je le sens pas du tout, l'eau. Et je sais pas si... on va utiliser. Ok, il y a un point d'interaction tout au bout. Ça, je sais pas si c'est une statue. Ouais, ça a l'air d'être une statue. Donc panneau, là, si je le relis, ça va être la même chose que tout à l'heure. Ouais. Là, il y a un soldat. Donc, peut-être que j'en profite pour passer maintenant, alors. Ouais, je vais passer c'est par ici. Salut, Roy. Bonjour, voisin. Ok, donc il y a un truc qui est fermé. On va aller là. Ils t'ont laissé partir? Non, je... Je me suis évadé. Rentre vite, il faut pas qu'on nous repère. Ouais. On est pas pressé, hein. Vas-y, cours. C'était horrible sans toi, horrible. J'ai cru que t'avais disparu comme Zoé. Tu vois que ce Funfrock n'est pas clair. Un docteur, tu parles. Je vais lui envoyer ma balle. Du calme, je suis là. Il s'est passé un truc trop bizarre dans la maison en ton absence. La balle de papa n'arrêtait pas de briller. Je sais pas comment il joue au bowling ball avec ça, franchement. Ouvrez! Nous savons que vous êtes là! Oh non! Les gros et les méchants crapauds sont déjà là! Cache-toi dans la salle de bain, je vais faire diversion! Luna! Ouais. Cache-toi, je te dis! Vite! Attends, c'est la cuisine. Combien cagé. Fouille mandatée par le docteur Funfrock. Le détenu Twinsen s'est évadé. Ne bougez pas. Recherche en cours. Je vois pas de quoi vous parler. À part là. À part là. Ouf. Ah, on oh, ça va, du calme. C'est juste mon doudou. Citoyen perturbateur. Citoyen perturbateur. La présomption d'innocence, vous connaissez pas? Suivez-nous! Ils ont l'air d'être bien chiants. Hein. Luna! Twinsen! Qui c'est qui me parle? Ouais, il y a quoi? C'est plein de chambres. Attends, il y a un truc qui brillote là-bas. Twinsen. Je sais pas si c'est ça qui m'appelle, mais... Ah, c'est la balle qui brille, ouais, effectivement. Yeah. Objet balle magique, tunique. Ok, on est tout beau, tout propre, les jeunes. Bon, les rouages, je sais pas à quoi ça va servir là, mais bon. Comme ça, c'est fait. Hein. À moins qu'après, je puisse m'amuser. Ah ouais, je peux jeter ma balle. En faisant un clic droit. Je vais pouvoir assommer du monde. Voilà, j'ai pas forcément besoin de me soigner, donc je vais arrêter de tout ramasser. Bah écoutez, voilà. On va s'arrêter là pour commencer. On ira voir si on peut pas aider à. Notre, je sais pas si c'est notre soeur, notre amie, ou du moins Luna. Si jamais elle a des soucis, j'espère que cette petite découverte et présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner
ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde et surveillez bien. Et je sais pas du tout si un système de sauvegarde automatique, je me le souhaite, et de toute façon j'ai pas l'impression de pouvoir sortir, donc ça se trouve faut que j'emprunte la cheminée. Si tu pouvais courir, ça m'aiderait. Et on a atterri en haut. Donc ouais, je sais pas du tout si ça sauvegarde automatiquement. Et je sais pas si... si tu peux remonter s'il te plaît. Biser pour relancer machin et compagnie, mais... Putain, ouais, si je peux pas y envoyer direct en pleine tronche... Mais vous rigolez ou quoi? C'est pas des lancers comme ça qu'on va s'en sortir, hein. Non mais... Si le truc il se clipse... Et qu'après ça s'en va... Eh ben Mazette, on va pas s'en sortir. Hein. Aïe aïe aïe, je vous jure. Bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là. J'espère qu'il y a vraiment un moyen que ça sauvegarde automatiquement. Parce que je me vois pas tout me retaper. Sinon ça risque d'être bien pénible. Cette fois c'est la bonne. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Excellent. Oh donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.